Bonsoir, ça y est, je fais ce soir cette vidéo et coucou les amis, très contente de vous retrouver. Ici je suis dans ma rue, ici dans la rue à Brapanon et c'est près de la fontaine où s'asseyait mon grand-père, c'était une habitude. Ils avaient cette façon d'être dans la rue. Ils aimaient s'asseoir près des fontaines ou sur les bancs, sur les escaliers, dans le chemin. On disait, oui grand-père, ben, il est dans le chemin. Et je vais vous montrer cette fontaine, elle date de 1888, elle a survécu. Et on peut encore utiliser pour boire de l'eau, laver ses mains, comme vous voyez. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo près de cette fontaine qui me rappelle le temps où mon grand-père s'asseyait dans le chemin, dans les années, il y a longtemps, et il regarde de moon passé. Et aujourd'hui, madame, il reconnaît à moi, il a dit, ah, ok, maintenant, la nouvelle génération, il fait vidéo dans le chemin. Alors, bon, allez, bon, là, mais j'ai rigolé. Myriam, bon coup. Donc, ce que je disais, c'est que, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est quoi? Alors, il y a quelque chose en moi de being you. Aujourd'hui, il y a une chanson qui me fait penser de Johnny Hallyday, qui dit, il y a quelque chose en moi de Tennessee, mais moi, je dirais, il y a quelque chose en moi de being you, de sois-toi. Et qu'est-ce que c'est que sois-toi? Alors, tout le monde me dit, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans cette classe? Qu'est-ce qu'il y a dans Being You, Edith? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, waouh, c'est au-delà des mots, parce que j'ai été tellement habituée, et toi aussi, je suppose, à connaître la définition, à être définie dans un monde où on te dit, on te donne un dictionnaire, on te dit que être joyeux, c'est ça, que être triste, c'est ça, et du coup, on se conforme. Et Being You, c'est un espace qui va encore au-delà des mots, qui va encore au-delà de ce que tu peux penser qu'être toi c'est. Ce n'est plus simplement s'adapter, mais c'est être dans un espace où, si tu veux, par exemple, aujourd'hui j'ai fait cet exemple exprès, parce que c'est dans un endroit où tu te sentiras bien, quel que soit l'endroit. Et si tu pouvais retrouver ton aisance et communier avec tous tes espaces, partout où tu es, dans tous les lieux, parce que en toi-même, tu as su récupérer cet espace infiniment beau, où tu peux être habillé, où tu peux être dans la nuit, tu peux être entouré de gens, que tu sois partout, n'importe qui, mais en tout cas, tu ne t'extrais plus dans ta valeur de beauté et d'unité. Donc, j'essaie d'être pas trop philosophique, parce que je ne sais pas si on va me saisir. Où je veux arriver à dire, c'est que c'est un endroit où quand tu marches dans la forêt, tu es super bien. Et quand tu es toi, eh bien, tu peux être partout et tu es à l'aise. Et tu as cette sensation que l'infini est tout le temps dans ta vie, partout. Bon, et là, me touche mon gros tété, oui. Et puis donc, personne n'y voit pas, mais la madame, il a vu quand elle a marché. Elle se tripote la poitrine pendant qu'elle parle, cette femme. Mais c'est pas vrai. Oui, mais j'ai toujours cette sensation où il faut que je... Ma main vient là, si Napoléon Bonaparte, lui, il mettait sa main dans son... Comment on appelle ça? Dans son... Alors, il ne mettait pas dans son pantalon, mais il mettait quelque part dans la, au niveau du ventre, parce qu'il devait avoir un truc. Alors, moi, je ne pense pas que je suis malade au niveau du sein. Moi, c'est parce que, simplement, c'est juste un contact. Mon corps, il aime bien être en contact. Il se connecte avec son cœur. Quoique le cœur, il n'est plus à droite, il est à gauche. Et là, on va peut-être faire comme ça, parce que comme ça, voilà... Juste pour l'image, comme là vous voyez. Donc, simplement pour vous dire que Being You, c'est indescriptible. C'est l'aventure qui commence d'être soi. Et surtout, c'est commencer à être libre avec soi-même, au-delà des mots. Et surtout, c'est d'être dans cet espace où tu n'as plus nécessairement besoin de te prouver à quelqu'un ou à quelque chose ce que tu es, ce que tu fais. Tu le fais juste par passion. Tu dévores cette vie avec les choix que tu as faits. Tu choisis plus grand et de façon irrésistible, ta vie se t'aspire vers cette joie, ce bonheur et les gens avec te suivent
parce que, comme on dit, c'est pas l'argent qui, c'est pas le, comme on dit, l'argent, c'est l'argent qui suit le bonheur et c'est pas le bonheur qui suit l'argent. Donc voilà, c'est un petit peu sur ces mots que je terminerai et je vous retrouve demain pour une nouvelle aventure de There is something of being you, there is something in me of being you. It's something just beyond the world, you know. Something just beyond the world and beyond the everything. Just believe me, man, it's being you. Something you know is just a being you. Just a miracle, just a happiness. And maybe lucky you, happy if you could come to being you class on the 26th of July till 28th of July in Réunion Island. In la possession, in Réunion Island. So come on, is there something in you of being you? Is there something in you of magic being you? Come on and just a wind, just take your wind and just ask and receive. This is being you and it's miraculous, just miraculous. Bye, see you tomorrow morning, bye bye.